Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo à l'arrêt cette fois-ci, mais je vais bientôt partir, donc on va parler de mon examen de permis de conduire voiture que j'ai fait sur Rambouillet. Donc tous ceux qui sont dans les petits bourgs à côté vont passer, même si par exemple Saint-Arnoult il y a des auto-écoles, mais vous avez quand même passé votre permis à Rambouillet. Donc beaucoup d'auto-écoles passent leur permis ici à Rambouillet. Tout le monde a le même départ. Donc là, pour ceux qui connaissent, je suis au niveau du Racinet, voilà. Donc là, c'est une vidéo qui va intéresser tout le monde. Pourquoi? Parce que je vais conduire en commentant comment il faut conduire du mieux que je me rappelle de à peu près ce que j'ai fait le jour du permis. Donc ça va intéresser tous ceux qui passent le permis principalement, et ça va énormément intéresser ceux qui passent à Rambouillet, parce qu'il faut savoir que les inspecteurs n'utilisent que 2-3 chemins et c'est quasiment tout le temps les mêmes. Donc bien sûr, j'ai pas une voiture d'auto-école, bien sûr, j'ai personne à côté de moi, bien sûr, on va pas me dire tourner à gauche, tourner à droite parfois au dernier moment. Je connais le chemin forcément, vu que c'est moi qui le fais, mais ça va quand même vous donner un ordre d'idée un peu de comment il faut conduire, comment il faut agir. Donc déjà, vous rentrez dans le véhicule, vous donnez votre carte d'identité, et là, vous commencez tout de suite à faire tous vos réglages. Plus vite vous faites vos réglages, mieux c'est. Pourquoi? Parce que quand elle va commencer à vous dire bonjour, elle va commencer à vous expliquer comment va se passer la séance, etc., etc., etc. Partir de là, après, elle va vous attendre pour que vous finissiez de vous préparer. Et déjà, ça met pas de très bonne humeur. Alors attention, si vous n'êtes pas prêt, attendez d'être prêt pour partir. Bien sûr, il ne faut pas partir avec le siège mal réglé ou autre. Mais tout de suite, vous rentrez, vous faites tous vos réglages. Donc, comme on vous a appris, hein, le siège, l'inclinaison, le volant, les rétros, machin et tout. Même si les rétros sont bien réglés, vous touchez, vous les déplacez, vous les remettez, juste pour montrer que vous savez régler vos rétros. Même si c'était parfaitement bien, c'est pas grave, on y touche quand même, on joue quand même avec. Comme ça, elle les voit bouger, elle est contente, machin, tout va bien. Pareil, surtout le rétro intérieur. Il faudra faire attention parce que vous aurez votre monitrice ou votre moniteur à l'arrière, donc le rétro intérieur au milieu, on verra pas grand-chose dedans. Donc attention de bien le régler en se disant qu'il y a une tête qui va gêner. Simplement, de toute façon, la personne sera déjà en voiture. Donc peut-être qu'il sera un peu plus incliné vers le bas, un peu plus sur le côté par rapport à l'habitude, vu que vous aurez besoin d'un meilleur champ de vision, vu qu'elle obstrue une partie de votre champ de vision. Surtout dans les motocross qui sont des voitures assez basses, donc, et qu'il y a une vitre arrière et une lunette arrière pas très large. Donc bien sûr, moi je vais conduire dans un gros véhicule, je suis dans un utilitaire, donc il y a des choses que je dois refaire au niveau du volant ou autre, ou alors plus à droite pour tourner à gauche, parce que je peux pas braquer comme une petite voiture. Mais le principe est le même. Vous êtes prêt, la monitrice, donc vous avez déjà mis votre contact, forcément, Une grosse semaine vu que, avec ah, en il n'y aura maillot. pas de radio bien sûr, vous avez déjà mis votre contact vu que vous devez avoir fait tous vos réglages, vous avez vérifié tous vos voyants, elle vous dit que c'est bon, on peut y aller, vous vérifiez devant, derrière que tout le monde est attaché, ensuite vous pouvez démarrer. Ah, tiens, il y a une auto-école qui vient de rentrer là. Donc voilà, vous êtes prêt maintenant à partir tout simplement. En général, si c'est le matin, il va falloir mettre la buée et le dégivrage arrière un petit peu, parce que souvent vous êtes resté longtemps assis à l'arrêt et donc il y a plein de buée, donc vous partez pas tant que vous voyez pas à peu près bien, d'accord? Ensuite, elle vous dit vous pouvez y aller, vous attendez vos consignes, marche arrière. On appuie sur le frein, embrayage, on enclenche la marche arrière, on descend le frein à main, on vérifie dans nos rétros, clignotant droit, on recule les fesses à droite. Donc là, on est sur le parking du Racinet, on tourne le volant. Hop, on est arrivé, on regarde toujours, on s'arrête. Il n'y a personne qui passe, qui gêne. Donc, clignotant à gauche, on réavance en première. Hop, on longe bien à droite ici. Hop, on n'hésite pas à mettre la deuxième, hein, au ralenti. On longe bien à droite ici le parking. Au niveau des cercles, on part à gauche, pour ensuite revenir à droite au niveau du stop. Et oui, ceux qui ont le permis vont se dire, mais c'est n'importe quoi qui s'y fait. Mais ici, en fait, ils ont un problème, ils ont inversé les deux lignes. Donc c'est éliminatoire de passer une ligne blanche. Donc on est obligé de faire comme ça. Vous êtes au stop, il n'y a personne à droite, personne à gauche, il n'y a pas de bus si c'est le matin, machin. On avance tout droit. Allez, c'est parti. Première, on accélère un peu. Deuxième, voilà, on n'hésite pas à monter dans les tours, hein, plus de 2000 tours. Les voitures sont faites pour. Attention, c'est une zone 30. Soit vous restez en deux, assez haut dans les tours. Soit, suivant votre véhicule, vous pouvez parfois être en 3 au ralenti. Je vous conseille de rester en 2 dans les tours. Vous n'aurez pas votre point de consommation, mais vous ne risquez pas de caler en cas de petit freinage, tout simplement. Donc, faites attention. À droite, ils avaient un stop. Donc, ce n'est pas un problème, on s'en fiche. On reste bien à 30, on ne passe pas au-dessus. 25-30, roulez pas trop lentement non plus. On fait attention. À gauche, il y a une route qui peut débouler si quelqu'un ne vous voit pas. Donc, on reste attentif. On regarde bien avec la tête au cas où. Donc, toujours une zone 30. Toujours une zone 30. Là, vous êtes prioritaire pour passer, mais personne ne vous laisse passer.
Souvent, ça passe à deux voitures, donc n'hésitez pas à ralentir et à passer lentement à deux voitures. Pas la peine de pester, attention, il ne faudrait pas pester. Voilà, quelqu'un qui déboule comme ça sans prévenir. Donc là, on va vous dire à droite. Donc vous mettez votre clignotant droite, vous restez sur la voie de droite. Vous ralentissez, appuyez sur l'embrayage pour pas caler. Vous gardez votre clignotant à droite, vous mettez sur la ligne et vous stoppez. Vous attendez de vous regarder, vous analysez. Là, à gauche, j'ai une voiture qui arrive, à droite, il y a la voiture qui passe. En auto-école, c'est pas un problème, la voiture est petite. Moi, avec ma grosse bagnole, je peux pas braquer énormément. Donc là, je peux pas passer pour l'instant. Je vais pouvoir passer là. Hop, on peut passer, on accélère. Allez, hop. La deuxième, on accélère. Hop. Et même la troisième ici, on peut la passer, d'accord? Là, on va dire, on va sur la gauche. Clignote au gauche. On repasse la deuxième si on est en troisième en freinant un peu. Et surtout, on freine bien quand on est dans notre voie. D'accord? Là, le feu était rouge à droite, donc tu peux te permettre de ralentir avant pour être sûr de ne pas caler et de ne pas passer de la vitesse trop tôt. Hop, vous restez bien à distance. Il faut voir les pneus ici. Là, on doit voir les pneus de la voiture quand vous êtes arrêté. Donc, tout simplement, voilà, vous restez comme ça. Vous attendez, les deux mains sur le volant, la première enclenchée. Le clignotant qui clignote et on attend que le feu passe au vert, tout simplement. L'objectif, quand il va passer au vert, n'hésitez pas, quand vous savez que ça va passer au vert, que ça va bientôt passer au vert, à relever légèrement votre embrayage au point de patinage pour juste entendre le moteur légèrement faire un petit bruit léger, léger. Comme ça, si vous lâchez votre frein un peu trop tôt, et bien votre voiture elle va rester sur place. Hop, vous voyez, elle avance forcément. Je recule pas. Hop, on y va. On fait attention à bien tourner comme il faut. La deuxième avant le virage ou après le virage, comme ça vous vous sentez. On tourne bien, on regarde partout que personne ne s'engage. On ne mord pas la voie vélo. On remet le clignotant gauche, on va en face. Là, c'est assez ambigu, on ne sait pas trop s'il faut le mettre ou pas parce que c'est en face, mais c'est un peu à gauche. Logiquement, on ne le met pas. Donc, on fait bien le tour du rond-point. On met bien le clignotant. Ici, c'est une zone 30, on peut accélérer. Attention, moi j'ai eu pas mal de piétons ici. Donc, c'est une zone 50, pardon, c'est pas une zone 30 ici. Voilà. Donc là, faites attention aux voitures qui peuvent débouler ou se garer à droite, par exemple. On regarde bien des deux côtés de chaque passage piéton. Voilà, faut voir. Logiquement, vous avez vos phares allumés. Bon, moi, ils étaient allumés pour rien parce que, au final, enfin, tout à l'heure, il pleuvait, voilà, c'est pour ça qu'ils étaient allumés. Mais logiquement, vous avez vos phares allumés si c'est le matin, tout ça. Donc, vous avez bien pensé à tout allumer, tout préparer. Attention, à partir d'ici, il y a un panneau, c'est une zone 30. On le voit à droite au niveau du mec. Voilà. Là, il y a un piéton clignotant, légèrement à gauche, on déboule, on se rabat tout de suite avec un clignotant droit et c'est bon. Il y a un piéton, on ralentit, on voit qu'on a vu. On attend qu'elle sorte totalement du passage piéton pour accélérer. On accélère lentement, ça sert à rien de monter dans les tours et de faire hurler le moteur. De toute façon, ici c'est une zone 30, on roule tranquille. Pareil, encore un passage piéton. On ne sait pas trop ce que les gens font. On reste prudent, d'accord? Donc on y va lentement, tranquille. C'est le jour du permis, on n'est pas stressé. Beaucoup de portières qui s'ouvrent ici, excessivement de portières. Donc là, on est dans la rue Patenaude, si vous n'avez pas reconnu. Et là, elle m'a dit, donc on va prendre à droite ici. Donc voilà, encore des gens qui traversent. Donc vous ralentissez avant, ça c'est bon, le petit est arrêté, donc c'est parfait, c'est pas pour moi. Mais voilà, on reste prudent, on voit que des gens traversent et on comprend pourquoi la voiture de devant freine. Clignotant droit vu qu'on sait qu'on va à droite, on va à droite, on repasse la deuxième si on ne l'avait pas passé, on ralentit. Ici le clignotant droit s'enlève quasiment tout le temps, faut le remettre. Hop, on voit bien les pneus du véhicule, je suis arrêté assez loin. Bon, c'est un petit peu limite là, mais c'est suivant l'angle de la caméra aussi, d'accord? Vous gardez votre clignotant droit, votre première enclenchée, le frein mis. Je vous conseille de garder vos vitesses hein, le jour du permis, même si ça fait un peu plus mal. On accélère lentement. Alors moi j'ai fait voilà, tout le virage, faut le faire. Enfin, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va traverser, il va pas traverser. Non mais c'est rouge en fait. Voilà, typiquement les gens qui font n'importe quoi. Donc il faut y aller lentement. Ça va se précipiter. On tourne bien le volant. On reste bien sur notre fil de droite. On accélère. Montez dans les tours. Et hop, vous passez la deuxième très rapidement, d'accord? Faites attention qu'il n'y ait pas de piétons. Parce que là, on est en montée. Donc là, il faut monter, monter. Vous pouvez monter un peu dans les tours. Passer la 3 en fin de montée. Donc quand vous êtes en haut de cette petite montée, hop, vous passez la 3 ici pour être une vitesse agréable. Vous montez pas au-dessus de 40 dans cette rue, d'accord? Là, on est dans la rue de la gare derrière. Ne montez pas au-dessus de 40, ça sert à rien, c'est trop dangereux, c'est étroit, il y a des bus, des voitures, plein de piétons, les routes sont pourries. 40, c'est très bien ici, ça sert à rien de monter au-dessus. Restez entre 30 et 40. 30 quand vous pensez qu'il y a un danger, un endroit un peu plus étroit ou un virage. Et 40 en ligne droite, d'accord? De toute façon, les gens derrière, genre, ne vous collent pas trop ici parce que c'est vraiment le bordel. On fait attention à tous les piétons qui peuvent traverser, aux enfants qui sont au bord de la route, qui peuvent glisser, etc. Voilà. Donc, attention, c'est une sortie enfant.
À droite, c'est une route à sens unique. On voit très peu le panneau, mais la première est une route à sens unique. On voit le panneau là seulement quand on y passe, que c'est un panneau bleu sens unique. Donc on jette juste un petit coup d'œil, on ralentit à peine, pas besoin. Par contre, ici, priorité à droite. On tombe là deux au panneau, on ralentit, on tombe là une à l'intersection, on ralentit et on passe à même pas 10 km/h. On passe au ralenti. Il y a une personne, mais elle est très loin. Je passe. Une, deux. Ici, elle m'a dit nous allons prendre sur la droite, donc direction la N10. Donc, clignotant droit, vous restez ici en deux tout le trajet. Vous ralentissez, vous ralentissez. Vous pouvez passer, vous passez, faut pas hésiter. Hop, j'accélère. Il faut que je sois en 3. Ah, faut que je sois en 2, bien poussé avant le virage. Sinon, vous restez en 2 pour le virage. Et après, faut que vous soyez vraiment en 3. L'idéal, c'est en 3 dans le virage, comme ça. Dès que vous êtes en haut, vous avez direct de la puissance. Vous appuyez, clignotant gauche. Il n'y a personne, rétro, angle mort. On s'engage. On passe les vitesses en s'engageant. Enfin, on s'engage. Ensuite, on passe nos vitesses. Donc, 4-5. On peut enlever le clignotant parce qu'il ne s'enlève pas tout seul ici. La voie d'insertion ne tourne pas assez. Donc, ici, c'est 110 sur le morceau qu'on est et c'est 90 après. Donc, vous roulez ici à 100 quand vous. Enfin, on va dire. Si vous n'aurez pas le temps de vous engager, je vais monter jusqu'à 110 avec la voiture d'auto-école. Donc, vous vous engagez pour 90, on va dire. Et comme ça, vous décélérez ici à 80. Comme ça, vous faites une bonne accélération et voilà. Clignotant droit, on revient à droite sur la voie de droite. Hop! Et là, on prend une vitesse de croisière. On prend un petit 75 pour être peinard. Et on attend que ça passe. Là, on reste bien, attention. Vérifier qu'il n'y a personne qui fait une queue de poisson. On garde bien deux traits avec la voiture de devant. On vérifie que derrière, il y a au moins deux traits avec la voiture. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Je suis en voiture normale. Donc, les gens, ils s'en battent les couilles. Désolé pour l'expression. Je vais accélérer un petit peu parce qu'il y a quand même la gendarmerie. Si je vais trop lentement, ils vont se poser et demander pourquoi. Donc, voilà, un petit 80 ici, maxi. Vous roulez peinard, vous faites attention. Les essuie-glaces, s'il y a besoin, etc. Sur les Audi 1, c'est automatique, par exemple. Voilà. Là, on fait attention, là, c'est des gens qui sortent, donc c'est-à-dire que devant vous, ça peut piler pour tourner, attention. Ici, on sait qu'on va à droite, elle nous le dit. Clignotant droit dès qu'on peut, d'accord. On ralentit pas, on reste à 80. On vérifie. Rétro, angle mort, il n'y a personne. On se déporte gentiment, restant à 80. Ici, on n'enlève pas son clignotant, parce que des gens qui ne nous ont pas vu nous déporter pensent qu'on peut peut-être qu'on est en train de s'insérer. On garde le clignotant jusqu'au virage, d'accord? On reste à 80 ici, d'accord, il n'y a pas de problème. Arrivé en bas de la descente, on va descendre à 70. Hop, on ralentit ici, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. On passe, on reste en 5, 70, on ralentit, on ralentit. Pareil, un petit peu de frein, la 4 dans la montée. Et on arrive en 2 ici. Donc la 4 en bas de la montée et plutôt la 3 en haut de la montée. Voilà. On peut s'engager. On a vérifié. On remet le clignotant droit qui s'enlève dans le petit virage. On se rengage. Ici, cette route, c'est maximum 70. Donc allez, 2, 3, 4. Et voilà, on reste en 4, vitesse de croisière. Alors, faut savoir que moi j'ai un moteur 2 litres, hein, donc moi ici je suis en 5, alors que vous serez en 4, c'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure dans la descente, tout simplement. Ici on reste attentif, les voitures de gauche peuvent aller sur notre voie et nous couper, et les voitures de droite peuvent s'engager sans nous avoir vu. On est prioritaire, ils ont cédé le passage, donc voilà. Mais bon, vous connaissez les gens sur la route, s'en foutent un peu. Après en auto-école, c'est déjà un peu plus facile. Au rond-point, nous annonce qu'on ira à droite. Donc vous passez la 3, vous commencez à ralentir, vous arrivez. À 40 km/h rond-point maximum, vous commencez à ralentir, ralentir, vous passez votre 2, 30 km/h, tac, 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 20 km/h, 25 km/h, on y va. On fait bien tout le tour du rond-point, on remet le clignotant qui s'est enlevé et on repart bien à droite. Voilà. On accélère progressivement en montée et une fois qu'on est fini le virage, on peut passer la 3 pour continuer à monter avec une plus grande vitesse. Ici, c'est toujours 70. Non, je crois, oui, je crois que c'est 70 toujours. Donc, on peut rouler 50, 60 facilement. Donc, vous roulez à un 50 soutenu, d'accord? Tout simplement. Parce que vous avez plusieurs ronds-points. Là, ça glisse en plus. Vous repassez votre 3, votre 2, suivant à quel vous étiez. Donc là, vous passez votre 2 avant le truc. C'est bon, il ne s'engage pas. Je roule. On va en face. Donc, je fais bien le tour.
bien le tour par la droite, je mets mon clignotant, je vérifie les deux angles morts, hop, et je continue. J'accélère, je passe ma 3. Je reste en 3. On rentre dans embouillé, c'est 50 maximum. Donc on fait attention là de ne pas faire l'erreur de rouler comme un bœuf. On ralentit encore, on repasse notre 2, on vérifie les voitures qui arrivent. Il y a beaucoup de voitures, il n'y a aucun clignotant. Tiens, quelqu'un qui continue, on s'arrête. Première, on attend. La personne, on se rengage. On tourne, on va tout droit. Donc, on continue à bien suivre la route. D'accord? Donc, on reste en 2. On suit angle mort. Fin du virage, la 3. Et là, nous annonce, on va tourner à droite sur le parking pour faire les manœuvres au niveau du parking de, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc de froid là. Putain, Picard, voilà. Donc clignotant, on arrive en 2 en ralentissant vraiment bien. Hop, et on passe première roule, on tourne bien sûr, on va y faire les angles morts, ça. Et on passe première roulante dans le parking. Attention, on roule comme première roulante. Donc là, m'a dit, on va aller au fond à droite. Donc on y va, on fait attention aux gens, aux voitures, on regarde bien partout. Hop, arrive ici, elle me dit, on va aller au fond à gauche. Je mets mon clignotant, je vais au fond à gauche. On va bien au bout de la piste. Hop, ici. Arrivé ici, il m'a dit, on va se garer en marche arrière gauche. Donc, en rangement bataille gauche. Donc, je me mets le long de la voiture. J'avance, j'avance, j'avance. Tac, je m'arrête. Le clignotant. Je vérifie les rétros, tous les rétros, l'angle, les angles morts. J'enclenche ma marche arrière et mon clignotant. D'accord? Je commence à faire ma manœuvre. Donc là, bon, vous savez manœuvrer, hein? Logiquement. Moi, je vais me mettre sur celle-là. Hop. Hop, vous reculez. Si vous avez besoin, vous avancez une fois s'il y a besoin. Puis vous reculez. Voilà, toujours bien. Si vous tournez le volant, il faut mettre un clignotant. Vous allez tout droit, bah, pas de clignotant, vous allez tout droit. Hop, donc vous êtes bien garé. On va doucement. On peut aller jusqu'à toucher. Donc je vais le faire avec vous. Toucher. Voilà, là on touche. D'ailleurs, j'accélère, ça avance pas. Je vais lâcher un peu, je vais monter sur le trottoir. Ok, on peut jusqu'à toucher, mais ça ne doit pas faire ce que je viens de faire. On ne doit pas se dire, bam, juste toucher. On sent qu'on s'appuie dessus. On enlève notre vitesse. On met notre frein à main. Donc on enlève notre vitesse. On enlève notre embrayage, bien sûr. On garde le frein. On met le frein à main. On enlève son pied du frein. On coupe le moteur. Attention, on coupe bien le moteur. Ensuite, on va nous demander les deux questions principales. Donc, on va demander combien de kilomètres on est. Donc, des fois, il faut remettre en contact, ça dépend. Donc, moi, je suis à 193 500, 503. Donc, 303, c'est mon numéro de fiche, tout simplement. Le numéro qui va me poser la question. Donc, moi, je ne sais plus combien c'était. En tout cas, j'avais une question intérieure, trouver le. Montrer la carte grise du véhicule. Donc là, j'ai cherché pendant 5 minutes. C'était un bordel en boîte à gants. C'était rien rangé. Je suis assez furieux contre ma monitrice qui n'a pas du tout fait son travail. Voilà, tout simplement. Et le deuxième, c'était vérifier l'orifice du produit lave-glace. Donc là, dans la voiture, on ouvre la trappe. On enlève notre ceinture moteur éteint. Hein, donc il n'y a pas de souci. On sort dehors. On sous le capot. On tire la petite languette. On soulève le capot. On bloque le capot avec ce qu'on vous a appris. Sur les Audi A1, c'est des suspensions hydrauliques, donc ça se tient tout seul, il n'y a pas de souci. Ensuite, on remplit le produit de la... on monte l'orifice du produit de la place sans l'ouvrir, on le montre du doigt, il y a le dessin dessus. Vous avez logiquement appris avec vos fiches de vérification, tout simplement. Vous avez donné l'information, on vous pose la question complémentaire. Question complémentaire qui était moi, pourquoi on met du produit moins 20 degrés? Pourquoi? Pour pas que ça gèle, machin, parce que c'est l'hiver, voilà, vous racontez ce que vous avez raconté. La batterie est faible. La batterie est faible et surtout, ça vient de s'éteindre. Donc la vidéo va être sympa parce que j'aurai pas la fin. Donc vous avez que le son. Et oui, je suis très déçu, très 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 déçu. Donc attendez. C'est quoi? En direct, je vais essayer de trouver une solution. Hop, on va mettre le téléphone ici. Vous savez quoi? Je suis en train de vous bricoler un truc en direct. Hop. Et voilà le retour de la vidéo avec un autre appareil photo. C'est génial. Là, c'est une organisation, mais du feu de Dieu. Ok. Bon, désolé, la vue elle sera différente. Ça change un peu. Hein. Il y aura un peu de reflet. Je suis désolé. J'espère que ça va tenir. Je vais rouler doucement.
Donc, c'est bon, vous avez fait vos vérifications, vous installez la voiture, ceinture. Vous vérifiez que tout le monde a sa ceinture. Tout le monde a sa ceinture, contact. Tous les voyants s'allument. Ok, c'est bon, parfait. On démarre. On vérifie qu'il n'y a pas de vitesse, que le frein à main est bien mis. On démarre. Elle vous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Enclencher la première. Enlever le frein à main avec les pieds sur le frein. Clignotant et on reste en première jusqu'à la fin du parking. Donc là on sort bien, on avance bien pour pas abîmer les voitures. On tourne un peu au dernier moment en faisant attention. Voilà. Donc pareil, on arrive ici. C'est un parking, mais on met quand même les clignotants, d'accord? Ça montre que vous savez faire. Voilà. On passe par là. On fait attention à la cabine d'huître qui sera normalement pas là, hein, mais bon, forcément, elle est là aujourd'hui. On reprend à gauche ici. Hop, tac, tac. On fait attention à tous les piétons. Et là, c'est le passage qui est très compliqué. Excessivement compliqué. Là, je vous conseille de tenir votre point de patinage et de lâcher votre frein. La voiture tient toute seule. Et après, ça vous permet de choisir quand vous allez pouvoir accélérer ou pas. Ça vous permet de la visiter. Vous avez bien votre clignotant. Hop, ça vous pouvez passer. Allez. Ah, puis la vidéo qui tombe. Ah, voilà, là, c'est le pompon aujourd'hui, hein. Vous allez avoir une vidéo bien sympathique. Hop, je vous remets ça vite fait. Voilà, c'est pas grave, on va filmer comme ça. Voilà. Donc là, deux tranquilles. En plus, il y a du monde. Là, vous dire, on va retourner à gauche. Donc, on retourne au départ. Clignotant gauche. On avance lentement. On avance lentement. En deux. On regarde ce que font les voitures. Bien souvent, n'importe quoi. Hop, on prend bien l'extérieur du rond-point. On tourne bien. Celui-là est serré, attention. Et clignotant droit. Celui-là peut être pris en première roulante suivant ce que vous voulez. Ici, c'est 50 km/h. Ne poussez pas trop, vous êtes en zone 30 juste après. On monte maximum à 40 km/h pour éviter d'avoir, après, être comme un con et devoir rétrograder vite et freiner fort, d'accord? On fait attention au passage piéton. C'est une zone 30, elle démarre ici. Vous le voyez le panneau normalement. Au niveau de la voiture rouge, juste au-dessus, zone 30. Donc là, vous êtes en 2. Bien entendu, il y a des ronds-points et c'est une zone 30. On est en 2. On continue tout droit. Attention, on prend l'extérieur et clignotant. C'est un petit rond-point, mais il faut un clignotant. Ensuite, on va en face. Alors là, on s'arrête, on ne sait pas où il va le gars. C'est bon, il va là. On y va. On prend bien l'extérieur du rond-point. Clignotant droit. Et on se rengage dedans. Là, elle m'a dit donc, on va continuer tout droit au feu. Non, elle m'a rien dit. Attention, quand ils disent rien, ça veut dire tout droit. Donc, j'en ai déduit qu'on continuait tout droit à ce feu. Donc, je continue, j'arrive, je suis en deux. Il y a un feu rouge, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Et je m'arrête en deux. Donc, embrayage à fond. Je freine, 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 freine. On voit ses pneus. Bon, là, la vidéo, on voit pas trop, mais bon, excusez-moi, avec l'angle de vue. C'est vraiment une vidéo qui est compliquée aujourd'hui, hein. Putain, j'aurais dû prendre ma deuxième batterie, j'ai hésité et voilà. Non, je pensais pas que ça prendrait autant de temps de faire le petit tour tout simplement. Il est déjà 11h11 les amis. Hein. Voilà, ça fait je sais pas combien de... Je suis parti à 9h. Donc, tout ce que je fais pour vous, pour vous faire vos vidéos là. Allez, ce serait bien que le feu. Voilà, le feu passe au vert, on avance tranquillement. Donc là, on va dire, on va aller à gauche dès que vous le pouvez. Clignotant gauche, on avance tranquille, 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 tranquille. On ralentit, on se met en deux si on ne l'est pas. Attention, il y a un arrêt de bus, il peut y avoir un bus. Attention, ici, il y a des pointillés qui sont très effacés. On les mord pas. D'accord? On s'arrête avant les pointillés. C'est éliminatoire, une bonne blanche. Et là, on peut se faire éliminer juste sur ça, à la fin en plus. Hop, on tourne bien le volant, on accélère. On pousse la une, on n'hésite pas à mettre la 2. C'est une zone 30. On pousse la une, on pousse la 2. On va pas à 50 km/h. On pousse juste pour que le véhicule monte sans abîmer le moteur trop. D'accord? En essayant de faire le mieux qu'on peut. Ok, voilà, je suis à 33. Je pense pas que vous le voyez, c'est trop. Putain. Je suis désolé, hein, c'est vraiment une vidéo misère. Là, c'était bien parti, une bonne qualité, bien filmé et tout. Et là, dommage, dommage. Mais voilà, c'est le début, c'est normal. Il faut apprendre à tourner ces vidéos. Donc la zone 30, on vérifie partout. On vérifie dans le virage qu'il n'y a pas de piétons, qu'on voit pas avec les petits cabanons de déchets végétaux.
On roule doucement, on roule doucement, on roule doucement. Ici, le matin, il peut y avoir des lycéens, enfin des collégiens, donc on fait attention. On roule doucement, on roule doucement. Pile ton droit, on va sur le parking, d'accord? Attention, on va au bout et au niveau des pointillés, on tourne. On est bien d'accord. On va au bout et on tourne au dernier moment ici. Ok? Ensuite, on va à droite, on reste au bord sans rentrer sur la ligne de bus zébré. Clignotant gauche, on rentre en marche avant. Donc en rangement bataille avant gauche. Forcément, moi, il n'y a personne et c'est ma voiture, donc je suis habitué. C'est assez simple. On enlève la vitesse, on enlève le clignotant si c'est pas enlevé. On enlève notre pied de l'embrayage, on met le frein à main, on enlève notre pied du frein, on coupe le moteur. Bon, je vais pas le faire parce que ça sert à rien, je repars dans 2 minutes, quoi. Voilà. C'était le chemin que j'ai fait moi. J'essaierai de voir un peu, j'ai un pote qui vient de passer son permis aussi à Rambouillet, donc j'essaie de voir s'il veut bien me dire son chemin ou alors venir avec moi et voilà, on va voir, ça peut être intéressant. Mais voilà, le chemin à Rambouillet, ce que j'ai fait, c'est celui-là. Si vous restez concentré, vous êtes prudent, c'est un chemin qui est classique, d'accord? Que vous soyez à Rambouillet ou vous passiez à l'autre bout du monde, c'est pareil, d'accord? Il y a des dodanes que moi je n'ai pas eu, j'ai de la chance. Mais sinon, on a quasiment tout eu, que ce soit les zones 30, pour se garer, les clignots, faire attention un peu à tout. Voilà. Alors, n'hésitez pas à repérer les lieux avec votre auto-école, de faire 2-3 passages dans les 2-3 chemins les plus utilisés. Eux, ils les connaissent, ils les font toutes les semaines. Donc, ils savent par où ils passent, les moniteurs, d'accord? Donc, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine. J'ai essayé de conduire le mieux que je pouvais. Attention, il y a des choses que, comme je l'ai dit, j'ai un gros véhicule. Donc, par exemple, des ronds-points où tout petit où faut aller tout droit. Moi, je ne peux pas forcément faire tout le tour bien à droite. Voilà, mon volant pour aller à gauche, c'est 2 tours et demi. Vous, c'est 1 tour en auto-école. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait du mieux que je pouvais avec mon véhicule. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle sera utile à beaucoup d'entre vous. Je suis désolé pour la qualité de la caméra, les moments où il y aura un grand noir et pas de vidéo, mais. Je sais pas comment je vais me démerder au montage pour remettre ça bien, mais en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Elle est vachement plus longue, elle va durer 1 demi-heure, mais au moins, elle sera complète. Et je voulais le faire et je l'ai fait. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.